Attention, cette vidéo s'adresse principalement aux personnes n'ayant jamais regardé Star Wars et désirant découvrir la saga en regardant les films et séries actuelles. Bien entendu, vous avez parfaitement le droit de regarder cette vidéo, même si vous êtes déjà passionné par la saga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nous poser une question très importante, enfin pas nous, mais plutôt ceux qui commencent à s'intéresser à Star Wars, et donc peut-être vous qui regardez cette vidéo en ce moment même. Dans quel ordre regarder la saga Star Wars? Je vais donc ici vous donner mon avis, et si vous êtes intéressé, je vous ferai une autre vidéo avec des conseils de lecture, de romans ou de comics. Sur ce, on ne va pas s'éterniser et on va commencer tout de suite. Selon moi, il faut commencer par les films, c'est tout de même la base. Il faut donc voir les 9 films qui sont sortis jusqu'à présent. Alors dans quel ordre est-ce que je pense qu'il faut les regarder? Je vais vous répondre assez simplement. Tout dépend de vos propres envies, mais pour moi, il y a deux ordres de visionnage possibles. Soit vous regardez l'intégrale des films de la saga dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire prélogie, trilogie, puis postlogie, et ensuite vous faire un avis sur chacune. N'hésitez pas aussi à regarder Rogue One, juste avant Nouvel Espoir, car je trouve que ces deux films sont bien raccordés pour créer un film de 4 heures parfaitement homogène. Ou soit, vous suivez ce chemin qui est le meilleur des deux selon moi, c'est que vous regardiez d'abord la trilogie originale, puis la prélogie, et pour finir la postlogie. Pourquoi cet ordre me demandez-vous? Eh bien tout simplement car c'est l'idéal pour être surpris par les terribles secrets dévoilés au cours de la trilogie originale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à regarder la prélogie, qui va vous expliquer en détail la chute de la République Galactique et sa transformation en Empire. Et pour finir, vous regardez la postlogie. Voilà, c'était mon avis sur l'ordre de visionnage des films que vous avez à choisir pour venir nous rejoindre, jeune Padawan. Mais Star Wars, ce n'est pas que des films. Oh que non. En effet, il existe aussi des séries, dont certaines sont canon, d'autres légendes. Du côté canon, vous avez tout d'abord The Clone Wars, qui raconte ce qu'il s'est passé lors de la redoutable guerre des clones, série qui restera ma préférée à jamais d'ailleurs. De plus, vous avez Rebels, série dans laquelle on suit les aventures d'un petit groupe de rebelles souhaitant mettre des bâtons dans les roues de l'Empire, et qui raconte principalement la création de l'Alliance Rebelle, celle qui s'oppose à l'Empire Galactique dans les épisodes 4, 5 et 6 de la saga. Et aussi de Rogue One d'ailleurs. Série qui s'est achevée récemment et dont j'ai trouvé le final... impressionnant. Très impressionnant. Si vous voulez, je sortirai une vidéo avis sur le final de la saison 4 de Rebels pour vous expliquer ce que j'en ai pensé. On attend donc la potentielle annonce d'une nouvelle série animée. En ce qui concerne le contexte historique de celle-ci, je la vois bien prenant place entre les épisodes 6 et 7, tout en étant en lien avec le final de Rebels, ou bien entre les épisodes 8 et 9 de la saga, pendant le conflit Premier Ordre Résistance, bien que nous ne sachions pas combien d'années sépareront ces deux épisodes. Puisque nous avons déjà eu une série animée pour la prélogie et une série animée pour l'époque de la trilogie originale, il ne manque par conséquent plus qu'une série sur la postlogie. Alors, en ce qui concerne les deux séries dont j'ai parlé précédemment, à mon avis, vous devez tout d'abord regarder The Clone Wars avant Rebels. Ce n'est pas parce que je suis fan de The Clone Wars, mais tout simplement parce que regarder celle-ci avant Rebels vous permettra de mieux vous familiariser avec les personnages qui pourraient apparaître au cours de la série. Du côté légende, vous avez Clone Wars, à ne pas confondre avec The Clone Wars. Cette série est aussi sur la guerre des clones, mais dure 2 heures environ si vous la combinez comme un film. Vous y suivrez l'ascension d'Anakin jusqu'au rang de chevalier Jedi, mais surtout le redoutable Général Grievous dans toute sa splendeur. Et voilà les amis, je vous ai donné mon avis. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le but de cette dernière était vraiment d'aider ceux qui souhaitaient commencer la saga Star Wars, mais qui ne savaient justement pas par où commencer. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo car c'est un sujet qui revient souvent. N'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la Force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye! Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me suicider. Tu aimes Star Wars. Et abonne-toi. Tu peux toujours pour rêver. Rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.